Bienvenue dans Périple Fantastique, votre émission qui vous fait voyager dans des lieux chargés de mythes et de légendes. Nous sommes arrivés à l'ultime épisode de cette saison consacrée au Népal et... Par contre, on va avoir un problème, patron. Un problème ? Quel genre de problème ? Bah, on n'a plus de budget et plus de rush. Oh. Eh bien, dans ce cas... Sortez le fond vert. Car aujourd'hui, nous allons nous intéresser au monastère de Namo Buddha. Situé à une quarantaine de kilomètres au sud-est de Katmandou, le monastère de Namo Buddha est un lieu de pèlerinage et un petit ensemble de villages qui s'est bâti autour d'un temple où seraient entreposées des reliques du Bouddha. Le site est au sommet d'une montagne, et le trajet nécessaire pour l'atteindre, formé de lacets, de routes de terre et de précipices vertigineux, a de quoi perturber le voyageur même le plus impassible. Vas-y Kiki, on a besoin de tes commentaires Kiki. Et on est reparti sur cette magnifique course, départ Namo Buddha, arrivé Yes, of course, nous parlons of racing between Namo Buddha and Katmandu. Le monastère est avant tout un lieu de méditation et de prière, où si les voyageurs sont autorisés à venir, il leur est néanmoins interdit de filmer dans l'enceinte du temple, et aussi de pénétrer dans certains endroits. Si les moines ont décidé de construire un temple à cet endroit, c'est pour une raison bien précise que je vais vous conter. La légende du prince et du tigre. Bouddha, dans une de ses nombreuses vies antérieures, était un prince. Alors que lui et sa cour avaient décidé d'organiser un grand banquet dans la forêt, le prince, qui s'était éloigné quelque temps de la fête, afin de profiter du calme de la nature, tomba nez à nez avec une tigresse affamée, accompagnée de ses trois nourrissons. Le prince ressentit une telle tristesse, un tel désespoir dans le cœur de cette tigresse incapable de nourrir ses petits, que par compassion, il offrit son propre corps en pâture afin de sauver l'animal et sa descendance. À partir de ce jour, Namo Buddha devint le lieu de la grande compassion, un sanctuaire et une étape de pèlerinage pour tous les bouddhistes. Nous arrivons à la fin de cet épisode et de cette saison consacrée au Népal, et merci pour votre visionnage. Abonnez-vous, mettez la cloche, lâchez vos pouces et vos commentaires afin de nous soutenir, et si vous souhaitez réellement nous aider, eh bien partagez cette vidéo et parlez-en autour de vous, c'est ça qui nous aide vraiment. Je vous rappelle aussi que mon voyage au Népal était à la base pour réaliser un documentaire que vous pouvez retrouver ici, ou sinon dans la description. J'espère vous retrouver à la rentrée pour une nouvelle saison de Périple Fantastique, qui dépendra de mes voyages de cet été, et de ce bon vieux Covid-19, ainsi que du nombre de vos vues. Sur ce, merci encore pour votre suivi, prenez soin de vous, et surtout, salutations voyageurs, et à la prochaine!